gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui, on se retrouve sur du cyberpunk. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur ce jeu. Alors aujourd'hui, on va se retrouver. Normalement, j'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu. J'avais dit que c'était la dernière et puis tout ça. Mais tout compte fait, je me suis dit, je vais refaire une vidéo. Parce que bah, tout compte fait, j'ai changé de personnage. Donc j'ai deux sauvegardes. J'ai une sauvegarde avec l'homme que j'ai commencé. Donc avec la première personne que j'ai commencé. Donc avec mon niveau que je vais vous montrer tout de suite. Donc dans mes chargements, si je fais chargement, normalement il y a les chargements avec la personne que j'ai, mais si je vais dans sauvegarde, j'ai que deux sauvegardes. On peut pas, donc je vous montrerai juste après. Mais donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche pour soutenir la chaîne. Je remercie toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne. Et c'est parti, donc je vais vous montrer un peu pourquoi je refais cette vidéo. Parce que bah, pour ceux qui seraient intéressés pour acheter ce jeu ou qui seraient intéressés de faire toutes les missions comme je fais avec mon personnage, donc avec le personnage féminin, parce que je suis avec le personnage féminin, je voulais tenter un peu la romance avec Judith. Donc pour la romance avec Judith, il faut obligatoirement un personnage féminin. Donc j'ai recommencé toutes les missions. Je traîne un peu sur les missions principales, donc il me reste encore quelques missions principales à faire. Donc c'est pour ça que voilà, je préfère faire quelques missions secondaires pour acheter des véhicules, pour voir un peu comment se déroule au niveau de l'histoire secondaire. Parce que quand même, les missions secondaires sont quand même assez longues. Donc moi je trouve que j'avais plutôt envie de faire pas mal de petites missions sur ce jeu. Donc je me suis dit, bah, je vais vous présenter une mission. Si par exemple vous ne finissez pas la course, donc la dernière course avec Claire, par exemple finir, comme vous le voyez sur le côté droit, il y a en facultatif finir la course ou rester près de Thompson, donc pour le buter. Sauf que quand pour finir la course, rien se passe. Sauf que quand vous allez le suivre, alors à part si le jeu a décidé de me faire autrement, mais à chaque fois que je fais cette course, quand on suit cette personne, en fait ça bug. Et vous allez le voir tout bonnement comment ça se déroule. C'est un peu chaud. À part si on peut détruire le véhicule. Alors j'ai jamais réussi à pouvoir détruire le véhicule. On voit 2-3 flammes devant son capot, mais j'ai jamais vu si on pouvait le faire exploser ou quoi que ce soit. Donc je sais pas du tout comment comment on peut faire. Je sais même pas si on peut le faire détruire et finir la course. Je sais pas du tout. Parce que le truc c'est que bon voilà, pour le moment j'ai pris son véhicule. Donc Beast, si vous par exemple vous continuez avec si vous suivez Thompson et que vous finissez la course avec pour tuer la personne, vous gagnez Beast, donc le 4x4 de Claire qu'elle vous le donne. Donc elle va vouloir vous raccompagner à son garage et à partir de là elle vous donne Beast, donc ça vous fait un 4x4 en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Mais si par exemple vous finissez la course, vous gagnez juste l'argent et elle vous donne pas le 4x4. Alors après, je sais pas si elle vous appelle ou quoi, parce que c'est vrai que moi j'ai recommencé assez souvent cette course parce qu'à chaque fois elle bug. Donc c'est un peu dérangeant. C'est vrai que pour un jeu comme ça, il est vraiment très mal optimisé. Comme vous le voyez, les graphismes sont très mauvais. On le voit rien qu'à la carte, les personnages qui nous suivent sont tout le temps en train de bugger. Alors vous les voyez pas parce que je suis en train de me dire, il y a la caméra devant. Oh, Drac, qu'est-ce que tu fais? Donc, voilà. Déjà, on décolle. Pourquoi, on sait pas. Je suis un 4x4, mais elle a plus de force que nous. Donc, on va suivre la personne. Donc, hop. Alors, à éviter de lui rentrer dedans tout de suite. Faut faire attention parce qu'il tourne sur la droite. Il va pas tout droit. Donc il va à droite, vous le suivez, normalement il va s'arrêter et là vous faites comme si voilà, il va partir dans le décor. Mais alors à part si, vu que je l'ai suivi, attention, suivre Thompson, nanana, nanana,
Alors normalement, même si je m'arrête. Alors attention. Alors, je vais pas rentrer dedans. Voilà. Elle part en couille. J'ai pas accéléré. Je sais pas ce qui se passe. À chaque fois, elle part en couille. Donc bon, là, ça va, j'ai eu de la chance. Mais tout à l'heure, j'ai déjà refait la course. Et je me suis retrouvé dans un convoi de flics. Donc comme vous le voyez, ça a complètement buggé. La voiture était là. Hein. J'ai pas truqué le jeu ou quoi que ce soit. La voiture s'est retrouvée là. On sait pas pourquoi, ça bug vraiment. Donc le convoi de flics est toujours, vraiment toujours là. Voilà. C'est un peu compliqué à comprendre pourquoi ça bug ou quoi que ce soit. Surtout que là, que je l'ai suivi correctement. Donc clairement, si vous voulez pas finir la course ou quoi que ce soit et finir comme vous l'avez fait avec Claire, eh ben, faut faire vraiment attention, rester au milieu de la route. Et encore, comme vous le voyez, c'est clairement compliqué de rester sur la route. Pourtant, j'étais droit et je suis parti sur la droite. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc après, là, bon, c'est un peu compliqué parce que bon, le truc, c'est que là, je suis pas là pour vous montrer ou quoi que ce soit. Après, le but automatiquement, que vous soyez ou que vous lui parlez, que vous lui répondez à Claire, que ça soit n'importe quoi, le but automatiquement, vous gagnez pas d'argent, mais vous gagnez Beast. Alors, je vais aller jusqu'à que vous gagnez Beast. Moi, je réponds à chaque fois. Je suis du genre à pointiller sur les personnes, donc j'aime bien répondre aux personnes. Voilà. Que ça soit des amis ou quoi que ce soit, j'aime bien répondre quand il y a la barre. Bon, bah, des fois, quand t'as la barre qui va un peu vite, c'est un peu différent. Donc, j'ai pas le temps de parler. Alors, bon, bah, ouais, tant pis. Mais voilà. Donc, en fait, je vous résumais, à part si vous avez lu les sous-titres, mais en fait, ce qu'il a résumé, c'est que vu qu'il a freiné ou quoi que ce soit, le truc, c'est qu'en temps normal, comme elle l'a dit au début des trois premières courses, dans la première course, elle vous le dit, qu'en temps normal, les courses arrivent qu'il y ait des accidents. Donc, dans ces accidents-là, il peut y avoir des morts, des trucs comme ça, sauf que dans la troisième course, elle vous le dit que voilà, son mari est mort à cause de cette personne-là. Donc, à partir de là, elle veut se venger, tout ça, sauf que, ben, voilà. Hein? Elle l'a pas tué. Hein? Elle l'a pas tué. Alors, en temps normal, elle le tue. Alors, peut-être qu'avec le gars, c'est pas pareil. Alors, est-ce que j'ai pas. Alors, je sais pas. Alors, je pense qu'il doit y avoir quand même une chose facultative. C'est vrai que moi, avec le mec, je lui avais dit que voilà que j'allais me débarrasser de lui avec elle. Sauf que là, j'ai fait complètement le contraire. C'est que je lui ai dit que je voulais pas m'interposer, que c'était à elle de régler ses comptes. Sauf que je voulais pas m'en mêler. Donc, je lui ai dû lui répondre. Et à partir de là, je pense, voilà. Donc, je pense que ça s'est fini comme ça. Donc là, par exemple, comme vous le voyez, ça a débugué. Hein, on s'est plus retrouvé devant le pétrolier, devant la bonbonne de gaz. Donc on s'est retrouvé sur la route. Et j'ai rien touché, hein, clairement. Voilà, c'est vraiment dommage pour un jeu de ce calibre-là. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo. Alors je vais vous laisser enfin avec Claire et V. V Fumina, je vais vous montrer. Avec qui je suis, parce que clairement, alors à part si, alors attendez, chargement, voilà. Donc j'ai donc deux pistes, donc ma première piste avec mon premier personnage, donc avec l'homme, et la deuxième piste qui est juste ici. Donc j'ai pris les gosses des rues pour les deux personnages parce que je me suis trouvé que voilà, j'aime bien jouer une personne un peu forte et puis un peu du genre coton. Voilà, j'ai pris encore Gosse des rues et j'ai donc un personnage féminin que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, donc j'ai pas encore fait avec Mokoshi. Donc, faut que je finisse avec Mokoshi pour finir, pour avoir l'autorisation de pouvoir continuer avec Johnny. Je suis à 75%. Avec les missions finales. J'ai fait toutes les missions finales sauf une avec l'homme et j'ai envie de finir faire
la mission finale, celle qui est la plus heureuse, avec celle que j'ai là, mon personnage que j'ai en ce moment. Donc la fin heureuse, donc partir avec Ezodel Caldos et Claire, pas Claire, Judith et Paname. Donc finir avec une histoire heureuse pour voilà. Donc ça, bon, après ça, c'est surtout les missions secondaires, je pense, hein, parce que je comprends pas vraiment comment c'est quand la biopuce déconne entre parenthèses, mais bon, elle déconne pas tout le temps, et comme vous le voyez, je suis quand même pas mal de missions. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je suis quand même réputation 47 et niveau 27. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec la fin et comment elle va vous donner Beast. Et on se dit à la prochaine. Cette vidéo sortira jeudi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Et peace les gens, c'était Drac Survie. À toi. Quoi? C'est pas la mienne. Elle était à dîner, moi. Mais vu qu'il n'y a plus de nous. Prends soin de toi, V. Et fais gaffe à ces virages si tu veux pas finir dans